les défis de cette semaine. Pas tout de suite, on va voir ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il y avait un drive attard, je voulais voir c'était quoi le drive attard. C'était qui le drive attard? Il est où le drive attard? Drive attard. Tu réapparaîtras, monsieur le drive attard. Ah bah, il y a un championnat juste à côté. Bon, on va aller finaliser ce championnat, tout simplement. À 100 mètres, tournez à gauche. Oh, ce diphtong là qui se déplace là, c'est incroyable. Merde, je suis encore en mode drift là. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Je suis encore en mode drift là. Mais attends, par contre, je peux pas faire la course en mode drift. ABS, ouais, non, je le laisse actif l'ABS quand même. Non, ça j'ai pris l'habitude de jouer avec la contrôle de traction désactivée, dis donc. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Cette bagnole de dingue. Merde, c'est pas là. C'est où? C'est par là. Tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. Et pas le championnat? Ghost Beans. Ah merde, comment je vais vous me rater? C'est juste derrière. Abuser la première vitesse, faut qu'elle aille jusqu'à 120. Il change la première vitesse à 120. Quoi. Alors, avec quoi je vais jouer ici? On me propose quoi? Tiens, je l'ai pas essayé celle-là, la Holden HQ. C514. Ah ouais, par contre elle est pas boostée. Oh. Bon, c'est pas grave. Salut Valkyria. Salut Psycho, je reviens de la Paris Game Week et c'était pas mal. C'était pas mal du tout et ils ont fait énormément de progrès par rapport à la précédente Paris Game Week. Ils se sont étalés sur 3 halls. Maintenant on peut vraiment naviguer entre chaque espace. Et c'est beaucoup plus respirable. C'est vraiment cool. Alors, je vais pas aller loin. Elle est pas tunée. Elle est pas préparée, je veux dire. Mais on va essayer de faire un bon score quand même. Il y a le Forzaton aussi actuellement. Il m'intéresse pas des masses, le Forzaton. Il faut faire des captures le drapeau et des rois de la colline en partie publique. J'ai la flemme de jouer contre les autres. On verra un peu plus tard dans la soirée si j'en ai l'envie. Je vais continuer un peu, je vais finir ce championnat et je vais continuer les exhibitions. Il me reste une bonne vingtaine d'exhibitions à faire. Les championnats, il m'en reste un paquet incommensurable, mais les exhibitions, il m'en reste un bon paquet à faire. Et moi aujourd'hui j'étais à la RGC. La Retro Gaming Connection, c'est une convention rétro qui se déroule à Meaux. Et à la Paris Game Week, j'y suis allé jeudi à la Paris Game Week. Eh, 215 quand même, hein, la petite C514 là. Oh, par contre, les freins, ils n'existent plus. Testez quelques jeux GT Sport qui est pas mal. Et Forza Horizon 3, il me donne encore plus envie de l'avoir. Ah, Forza Horizon 3, c'est... Waouh, c'est... Voilà. T'as pas testé le Nozulus Rift? On pouvait tester le Nozulus Rift chez Ubisoft.
ça va, c'est tranquille. Voilà, c'est... Putain, j'ai froid aux mains. Ça va, c'est tranquille. Petite course, petite pépère bien tranquillou là pour démarrer le stream. C'est toujours agréable. Voilà, comme ça, 130, 140. Il n'y a pas mort d'homme. On se chauffe doucement. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Hein ? Oui ? T'as besoin de moi ? Hein ? Hein ? Mais non, Burgonde. Oh putain, pour rattraper ça va être une horreur. Ah ouais, la course de pouce-pouce. La course de pouce-pouce. Fait un bruit de moteur extrêmement étrange, cette Holden HQ. Dans les hauts régimes, elle fait un bruit très très étrange. Oh putain! Essouvir la salope! Oh non! Oh non, j'ai jamais pouvoir les rattraper avec cette puissance. Troisième, c'est pas mal. Troisième, c'est pas mal. Ouais, il s'appelle Cédric. Salut Genesis, salut Falcon. Je suis un peu fatigué aussi, je suis un peu enrhumé. Donc je vais pas être en mode poup 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 poup. Je suis un peu en mode undercover. Calme, zen. Il y a quoi dedans? Y'a pas que de l'eau là. J'en sais rien, c'est pas moi qui me posais là. Alors le prochain tournoi il est là. À Paris Game Week j'ai rencontré Antox Colaboy. Je suis content. Il m'a reconnu. J'étais dans la loge VIP, j'étais en train de discuter avec des gens. Il m'a reconnu, il fait ouais, c'est grand. Ah putain! Il était aussi grand que moi. Et après, je me suis levé de ma chaise. Ah mon dieu, il est trop mignon. Il est tout petit. N'hésite pas à me dire si vous m'entendez bien, parce que je sais que des fois le micro il déconne et je passe par le micro casque et ça résonne de partout, par le micro Kinect. Et ça résonne de partout, donc n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien, tout simplement. Parce que j'ai pas eu le temps de checker. D'habitude je check si le son est bon, mais là j'avais la flemme. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a dérapé cette bagnole? Ah merde, oh là là. Je crois qu'elle est préparée pour le drift cette conne. Oh non! Super! Magnifique.
C'est un tournoi qui s'annonce. Wouh! Oh, mais avance! Mais je suis sur les essieux ou quoi? Je suis passé en manuel? Qu'est-ce qu'elle a cette bagnole? Elle a un souci, mon cœur. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole que j'ai choisie? Attends, on va recommencer l'épreuve. Je vais doser l'accélération. Le contrôle de traction, je crois que c'est ça. Cette bagnole, elle supporte pas de désactiver le contrôle de traction. Mais passe la vitesse! Ah, ou alors elle est faite en drague. Peut-être une drague de A, une drague A. Et du coup, c'est une catastrophe. Je vais devoir faire 3 tours dans ce bidule. Oh là là, putain. Oh, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Bon, je crois que je vais finir dernier. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi cette horreur? Mais regardez, je suis en première, deuxième tout le temps, c'est abusé. Quand est-ce que tu passes la troisième, gros? Merde, ce virage. Oh merde. Mais je peux pas accélérer. Je fais du surplace, j'arrête pas de déraper. Ah putain, où est les photos, tiens? J'y pensais plus. Une seule? Oh là là. Ça commence à devenir chaud là. Ok, je déclare officiellement que c'est la pire bagnole de tout Forza celle-là. Enfin, faut dire qu'elle est mal configurée. Elle est pas configurée pour ce genre de course quoi. Du coup, elle est injouable. Oh putain! Ah, c'est bon. Par contre, je suis à 12 000 x 4. Wesh. Ah, tu parles, elle dérape tout le temps, je m'étonne. Oh, l'hécatombe, va falloir que je choisisse une autre bagnole pour la course d'après. De toute façon, je vais prendre la pompe funèbre, elle est très bien la pompe funèbre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas. Et quoi? Une vodka orange? Une vodka multivitaminée, autant pour moi. Ou alors c'est juste parce que j'ai retiré le contrôle de traction et sur cette bagnole le contrôle de traction est juste plus que primordial en fait. T'inquiète pas, au pire elle dormira plus vite. Bon, j'espère que la troisième course se passera mieux parce que là c'était une hécatombe le machin, il sert à rien le machin. La bagnole de merde. Bagnole de merde. Doucement, Lisa. Comment ça? Ouch. Ce ciel, ce ciel. Les gars, j'ai des crêpes.
C'est ouf ce ciel. C'est assez dingue. T'as vu Gaz et Porto de Gaspard? Ah, il est cool. Attends. Ah, mais il t'a mis là en combien d'épreuves ce championnat? Bon. Mes chances pour remonter dans le classement. Et on va voir ce que c'est ma pompe funèbre là. Hello! Ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau? Du fort. C'est magnifique. Donc ouais, on peut faire un peu de course, Ouais, bah si tu veux, ouais. simplement. Bah tu m'invites et puis on continue tes courses. Je vais aller où pour voir si... Ouais, tu vérifies que t'as l'audio incluse? Ah, c'est fait. C'est fait, bah c'est nickel. Tu sais, je reviens de la convention rétro là, à la RGC. Ouais. Il y a un mec, il avait le truc, tu sais, la manette Nintendo qui était sortie pour la NES, pour les Ouais. handicapés, qui se contrôle à la bouche. Ah ouais. C'est la première fois que je voyais ce modèle-là. Et il marchait et tout, on pouvait l'essayer et tout, c'est vraiment impressionnant. Première fois que je le voyais en vrai, ce modèle-là. Tu joues à Mario avec la bouche, quoi. Hey, salut ouf, ça va? Ça va. Un peu enrhumé, mais ça va. Tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vérifies si ton audio est incluse? Qu'on t'entende sur le chat? Ouais, t'inquiète. Encore sur ton stream, donc Ah, ouais, effectivement. Ouais, Ah, on mais va je faire pourrai un plus tour où prendre des tu photos, moi! montres où tu. Tu Veux jouer avec nous? viens. Vous allez faire quoi? Un peu de course, il a dit Un peu Phoenix. coop, tu veux voir là. Ah voilà, elle est un peu plus jouable avec le contrôle de traction, cette bagnole. Putain, sans le contrôle de traction, c'est une horreur. Il y a Bola apparemment qui m'a reconnu de loin à la Paris Game Week, qui m'a juste envoyé un message. Hé, hey, je t'ai vu de loin! Mais pourquoi t'es pas venu me dire bonjour? Quoi, Bola? Ouais, Je savais Bola! qu'il était à la Paris. Ah ouais, il m'a envoyé un message sur Facebook en me disant Hé, hey, je t'ai vu de loin à la Paris Game Week! Bah. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut à la Paris Game Week? Et de deux, il aurait dû le voir. C'est pas juste, ouais, je t'ai vu de loin. Bon, après, peut-être qu'il est jeune, peut-être qu'il s'est dit, putain. Enfin, peut-être Ah, qu'il encore, sait, c'est peut-être un. je suis pas Squeezie ou quoi, je suis l'administrateur de la Bah communauté oui, du mais jeu bon, qu'il tu aime sais, bien. il Donc a. Ouais, techniquement, mais il a que. on est copains Mais par il a. défaut, quoi. Mais il a que 14 piges, tu sais, Il hein, est ça si se jeune que trouve. ça? Et il a 14 ans, hein, Ah c'est putain, mais ça. je pensais qu'il avait 16 par là. Pas 14. Non, non, De il a qui? 14 ans, donc c'est un peu Bola? jeune, tu vois, donc. Bolaman? Et pourquoi c'est Ah Bolaman non, qui devrait. il. C'est Bola Kid Ah, il est alors? jeune, hein. Il est né en Mais c'est quoi sur Fa... c'est 2002, quoi je sur crois, hein, Facebook en du coup? 2002. Je sais pas, tu vois, je pourrais te dire ça. Il est où mon téléphone? Parce que moi, avec ma tête en l'air, tu Ça. sais, j'ai déjà zappé quoi. Ouais, non, mais ça, ça Ah va non, intéresser je d'avoir raconte des des choses conneries, de bonne. c'est pas Facebook, c'est sur Twitter. C'est sur Twitter. C'est pas Facebook, c'est sur Oui, Twitter. mais moi sur Twitter, il m'a dit, il me suit, apparemment il me suit, il m'a envoyé des tweets, des trucs, et moi je vois rien à chaque fois, genre c'est trop bizarre. C'est Bolaman 36 quelque chose, je sais pas quoi là. Attends, il est où mon téléphone? Je sais pas. Ah bah ouf est mort. Ah oui, voilà. Oui. Ah moi je me suis dit pas. Tu t'es déco? Non, Ouais, c'est je ouf pense qui qu'il s'est y a eu un déco. problème, je pense. Ah Ouais, ouf, c'est ouf. ouais, c'est ouf qui a un problème. Mais c'est l'écho du groupe ou... Ouais, je sais pas pourquoi. Par contre, je sais pour quelle raison le Forza Horizon 3 était en anglais alors que le jeu est sorti en France depuis quelques semaines. Peut-être que la console était en anglais, tout simplement. Faut pas chercher. C'est souvent des consoles de démo qui voyagent et si tu la zappes pas en français, bah...
Elle reste en anglais. Et généralement, les mecs, les exposants, ils font pas attention à ce genre de petits détails. Tout simplement. Attends, je vais. Ah bah oui. Mais alors, ouf! D'accord, ok. Personne ne veut pas de moi. Donc, bah vas-y, vas-y. Salut, Killer! Essaie de nous rejoindre, pour savoir si ça marche déjà. Mais les mecs à la Paris Game Week, il y a beaucoup de mieux. La Paris Game Week s'est beaucoup améliorée. Mais. Ouais, bah, y a un hall dédié à l'e-sport déjà. Ouais, c'est ça. Le et... Made in France est beaucoup mieux mis en valeur. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux naviguer c'est entre, les exposants et tout. T'as de la place, t'as énormément de place et tu circules, quoi. C'est un bonheur. Et est-ce que la moyenne d'âge au stand Call of, elle est de 13-14 ans? Ah oui, totalement, totalement. Et ouais. le monde qui patientait, qui faisait la queue pour Mafia 3 aussi. Je me suis arrêté 50 devant, j'ai fait. C'est encore pire que Call of. Ah les pauvres, oh mon dieu, les pauvres. Mais quelle erreur. Je me suis posé devant, j'ai fait, mais c'est pas possible. J'ai fait, mais pourquoi vous faites la queue, les gars? C'est. Il aurait dû y avoir une manifestation avec des pancartes et tout, il n'y avait pas. Tu sais, avec le mec de Star Wars, It's a Trap. C'est exactement ça. Oh le bâtard. Et non, il y a beaucoup mieux sur la Paris Game. Beaucoup, beaucoup mieux. Bon, du coup, on t'attend ouf. Et du coup, tu sais, on a. Après, là, on allait au resto entre Star Player. Et dans les Star Player, il y a un des mecs qui était en face de moi. Il me disait, il fait partie de la team qui était championne du monde de Forza Motorsport 6. Ah, c'est donc, qui le gars? Son pseudo, je sais plus, c'est Red Fox. Et il fait partie de la team BAM. Axiom, Axies, Access, BAM, Axis, un truc comme ça. Ouais. Enfin, il te dira, Gesh, il a reconnu. Ouais, non, mais parce que tu sais que sur Forza, ouais. La France roule sur le monde entier, avec une puissance. Et c'est la team BAM, là, et apparemment, ils dosaient Forza, donc. On roule sur le monde entier, on a été même interdit de tournoi parce qu'on était sûr de gagner, quoi. Du coup, je disais, mais t'inquiète pas, sur Horizon, j'ai des copains meilleurs mondiaux au drift, là, ils s'éclatent bien. Oui, bon, meilleurs mondiaux, déjà, c'est plus le cas, hein. On a perdu notre titre, moi et Gash. Ouais, bon, vous êtes dans le top 10, quoi, c'est déjà beau. Ouais, le top 5, là, je suis 4ème, il est 2ème. Moi qui ai fait l'édition 2014-2015. Qu'ils les interdisent de tournoi parce que soi-disant ils sont trop forts, ça fait partie de la compète. S'il y a une équipe qui domine les autres, c'est le problème des autres équipes. Oui, mais ça c'est ce qu'on m'a dit, mais apparemment il y a de certains championnats dans des pays où j'étais pas invité, pas au courant qu'il y avait un truc pour que. Oh, ça c'est ce qu'on m'a dit, mais ils roulent sur le monde, hein. Ça c'est clair et net. Ah, parce que c'est ça la compète, hein. Je veux dire, en foot c'est pareil, hein. T'as régulièrement des équipes qui dominent tout le monde, ça les empêche pas de faire des tournois. Ah, ouais, c'est exactement ça. Ah, totalement. Ça fait partie du sport, tu vois. Après, justement, le challenge c'est de les niquer, c'est de les battre. Ouais. Hein, je sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a le canal eSport Club qui a commencé sur Canal+. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. J'ai vu la première émission hier sur Dailymotion, je crois, enfin en vérité, quoi. Ouais. Ça, c'est génial, là, ce truc, on en a rêvé des années, hein. c'est vraiment génial. Hein. Ouais, mais c'est cool, ça. C'est une super émission. Hein. Oh putain, je viens de me prendre le tramway dans la gueule. Ah, ça fait. Bon, bah alors, du coup, on va faire un coup de tramway. C'est pas un acte 3, c'est mal fait 3, c'est exactement ça, bien joué, votre killer. Après, c'est sûr, il y a beaucoup de gamins, comme je disais, moi, la Paris Game Week m'intéresse absolument pas, tu sais, c'est soit tu fais la queue pour des jeux qui sont déjà sortis, soit tu fais la queue pour des jeux qui sortent dans 2 semaines, et après, c'est les vacances scolaires, t'as que des gamins. Donc, j'y vais vraiment pour discuter avec les gens, pour rencontrer du monde, quoi, mais... Pour tester. Si, j'aurais aimé tester le Nozulus Rift. Il y a un collègue qui l'a testé, il paraît que c'est vraiment un truc à tester, le Nozulus Rift. Je sais pas si t'as vu la vidéo sur Internet. Moi, je crois que j'ai Squeezie qui a testé, non? Ouais. Et c'est épique, apparemment. Vas-y, tu peux lancer l'épreuve, j'arrive. Ouais. C'est le truc qui fait les odeurs, ça, hein? Ouais, c'est ça. Et tu joues sur un passage dans South Park où tu dois faire caca. À
400 mètres, tournez à gauche. Et mais bientôt, entre l'Oculus et le Nose Rift, tu sais, t'auras des trucs genre sexuels avec les odeurs et tout. En fait, bizarre. Non mais c'est vrai, tu sais, je rigole là, mais pas tant que ça en fait. Je suis sûr que ça va finir par sortir. C'est quand même... Ah là, mais tout est possible, je crois. Salut Dick. C'est sûr que ça va sortir. Toujours des gens qui vont se dire, je suis sûr que ça va marcher en plus. Le nombre de kilomètres total du championnat, il te l'indique où? Si c'est calculé automatiquement. T'as envie de faire ton succès, toi. Ouais, ouais, il calcule. Tu veux faire ton succès, toi? C'est quoi déjà le succès? C'est faire un championnat de 26 km, un truc comme ça? Ah, 26 km, non, 160. Ah, 160 km, un championnat de 160 km. 161, ah. Ouais, sur 10 épreuves. Ah ouais! Ah oui, c'est un succès. Ouais. Moi, je l'ai déjà, moi, ce succès. Ouais. Et il faut créer son tournoi, tu peux pas y participer, mais évidemment. Je sais pas. Ça, j'ai pas fait gaffe vu que je l'ai fait en solo, mais. Attends, je vais te dire ça. Hein. Progression, succès, attends, je vais te dire ça. Hein. Alors, allez, les succès. Bon, Forza, ton c'est fait. Ça, c'est... Les gars, moi je vous le dis, ça va être long. Ah, t'inquiète pas, on est là pour ça. Ouais, je joue bien, j'ai un peu faim. Sur 10 épreuves alors, c'est ça? Attends, oui, déjà faut 10 épreuves, ça c'est sûr. C'est le maximum d'épreuves que tu puisses faire. Et moi je sais qu'il y avait genre deux courses où j'étais à 22 tours. Ouais, ah oui, t'as le stand Emo 5 aussi qui s'est bien développé aussi. Le stand Emo 5 et le stand rétro, c'est vraiment très bien développé. Ah, c'est bien ça. Par contre, je suis rassuré, j'ai parlé à beaucoup de monde de la Switch, ils sont tous... Alors c'est créé, il faut le créer, hein. Il faut créer. Ouais, il faut le créer, ouais, c'est créé, ouais, mais je le ferai une autre fois, mais je veux bien t'accompagner dans ton aventure. Ah, c'est parti, hein, ça va être... C'est comme un Goliath, hein. C'est un petit Goliath en gros. Hein. C'est un gros Goliath, hein. Tu mets plus d'une heure pour ouais. Le faire. Hein. Ouais, ouais, c'est un Goliath à 6 tours, quoi. Un bon 6 tours de Goliath, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Et c'était rien, quoi. Et pété. Par contre, les caisses que je vous ai mis, tu vas pouvoir prendre ta F50, hein, normalement. Ah, cool. Merci, mon cœur. Ouais, c'est bon ça. Ça va être bon. Ah, j'ai cru que t'avais dit merci mon cœur à Phoenix, tu sais. Si t'as dit tu vas pas prendre F50. Il y a ma femme qui m'a apporté le dîner. Ça aurait été un peu bizarre. Ah, tu vas dîner en plein stream en jouant à Forza. Oh ouais, j'en ai plus rien à branler de la qualité. Ok, ça m'a les couilles. Il dit tu vas dîner en plein stream. Oui. Eh, c'est ça ou je stream pas? Eh bah, stream pas, mais mange avec moi! Pourquoi c'est en classe A le truc? Bah, y'a que la classe A et j'ai qu'une Ferrari, vieille Ferrari Maranello! Pareil. C'est pas bon? Bah. En classe A, bon gars, on va galérer, hein! Ouais, non, attends. Je fais quoi? Je choisis la tienne en location ou on annule? Non, on a Si on fait 160 bornes en classe A, laisse tomber, hein! Bah, en S1 ouais. Donc, il avance un peu. Mais bon, ça va, hein. C'est Ferrari Maranello, ça avance un peu quand même. Hein. C'est pas en Isetta qu'on va le faire. Oh putain, t'imagines le succès. Terminer 5 tours de Goliath en Isetta, ok. Bon, je fais quoi? Je quitte, hein, c'est ça? Ouais, on va quitter, attends. Ça, j'ai trouvé la manette Dreamcast vraiment bonne, elle est très sympa la manette Dreamcast, elle a une bonne prise en main la manette Dreamcast. Ouais, la manette Elite aussi. Ouais. Ah, en plus elle est même pas boostée, bah Maranello. Donc on quitte, hein, c'est allez, ça on... ouais. Ah putain, tu dois refaire les 10 épreuves. Oh là là. Oh, ça va aller vite normalement. Ah, remarque, ça tombe bien, ça va me donner l'occasion de dîner chaud et pas froid. C'est vrai. Profites-en. Je regarderai après, mon cœur.
Ah merde, ouais, je l'ai quitté, merde. Ah, on l'a quitté. Ah, ouais, parce que là, ah lui, il était parti. Ouais, j'étais dans ma course, là, j'étais deuxième, là, j'étais bien. Oh, c'est nuage, putain. Ah, putain, je me retrouve en Maranello maintenant. Ça va, il va relancer, t'inquiète pas. De toute façon, elle est en quoi, elle est en S1 ou S2, t'as 50? Je sais, S2, je pense, hein. J'aime bien ces crêpes là. Dès que possible. Non, c'est pas possible. T'as même pas mangé, Lisa. T'as mangé à peine une saucisse. Eh, mais tu sais que dès qu'il y a une connerie sur Mafia 3, je suis tweeté. Et je suis devenu le porte-parole du mec rageux sur Mafia 3. Quoi. Ah, mais on peut faire open class, ouais. D'accord. Bon, ce sera 163 km. Ouais. Ah, c'est beau, j'ai juste changé, j'ai mis open class. Et donc on se met en quoi, en S2? Ce que vous voulez. Ok. On peut faire certaines courses en S1, d'autres en S. D'accord. Moi je prends ma F40 en S1, hein, parce que... Moi j'ai envie de tout faire en F40. Hein. Ok. Moi j'ai toujours préféré la F40 à la F50. Il y avait le père d'un pote au lycée quand on avait une de F40. Mais non, je suis encore bloqué à la classe A. Non, j'ai F50. F50. Bah. La F50, elle est en S1. Ah voilà. Ça veut dire que il n'en a pas. Ah peut-être. Bon bah je vais louer ton F40. T'avais utilisé la mienne je crois la dernière fois là. Ouais c'est possible. Bon bah je vais louer ta F40. Ah, tu peux copier la bagnole d'un gars quoi. Ah, faut quand même que tu t'en fasses une. Ouais c'est clair, F40 ça reste mythique quand même. C'est pas que des Ferrari hein, c'est les supercars je crois le thème du truc. Pas que des Ferrari. Je sais pas. Non mais il faut quand même une F40 quand même, c'est quand même une... voilà quoi. Bah il a la F50 là non? C'est bien. Ouais. Ah tu vois, lui il préfère la 50. Hein. J'ai sorti mon petit bébé. Donc, ah mais la F40... Vraiment très bien, celle-là elle va être très très courte et il y en a d'autres, c'est un boulot. Mais la F40 est tellement mythique, cette Aria est tellement mythique, c'est juste fou quoi. Oui bon, moi c'est... En plus, moi j'ai trouvé une super peinture dessus donc. Ah, moi c'est rouge hein, pas le choix. Ah non, hein. Rouge ouais. Je peux pas lui manquer de respect, rouge jaune à la limite, mais. Non, moi elle est rouge aussi, mais il y a des trucs dessus quoi. Il peut pas lui manquer de respect, il la reste pure. Non, elle reste rouge hein. Et encore, tu peux avoir, tu sais, quand c'est en mode un peu sponsor court ça. Ouais. Bon, on va essayer de pas faire trop de caca. J'ai failli rater le checkpoint. Mais qu'est-ce qu'il faut les enlever là? Wow! Oh, comment il t'a bloqué? Oh, le takedown qui t'a mis l'ordi. Ah, il m'a complètement bloqué, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'il faisait là. Oh! Le dépassement. Ça m'a pas compris. Sérieux? C'est un régal cette bagnole, mais c'est un régal, on s'en lasse pas. En fait, ils sont en quoi déjà les Drivatar? Je sais pas. Pourquoi ils sont en pro? Ah putain, ils sont agressifs hein, par contre. C'est d'ailleurs la Ferrari préférée de mon père. De quoi, la F40? Ah, mais la F40 elle est tellement mythique. C'est un truc de dingue. Hein. Oh, cette décompression du turbo quand tu freines, c'est incroyable. Et ce qui est génial avec la F40, c'est que tu tires sur un câble en métal pour ouvrir la porte. Ouais.
J'ai failli rater le... Tu sais, depuis tout à l'heure, je conduisais avec des voitures qui driftaient un peu. Et elle est colle, du coup j'ai failli rater le checkpoint en fait, tu sais, à trop tourner. T'as Félix, t'as raté un checkpoint ? Ouais, Ah bah bravo ! Putain, tu me fais gagner les points. Ça va, on est devant. Ouais, ouais, j'ai raté. C'est super bon. T'as fait ça comment ? Hein ? Pommes de terre sur gelée carrefour. Bah tu cuisines très bien les pommes de terre sur gelée carrefour. Elles étaient un 15 centimes ou pas? Ah, les femmes de délire. Putain, je me parle de ça. Ouais. Et au final, il avait raison, hein. Ouais. Les paquets de pain au chocolat que t'achètes par 8, ça fait 15 centimes le pain au chocolat. Exactement. Oui, c'est un fou, le gars. Incroyable. C'est super bon. Ouais, Mercedes-Benz. Vous avez vu, en fait, le Forzaton, c'est pour des klaxons, mais il faut faire des trucs drapeaux en ligne et on tout. On l'a fait. Ouais, on l'a fait. Ouais. Tranquillou. Est-ce qu'on a capté presque un mois après la sortie du jeu qu'on pouvait faire que. Qu'on pouvait trier le mode aventure pour faire que des courses sans collision ou que des. D'accord. Des parties. Ouais, voilà, comme une compagnie. Enfin, colline. Capter le drapeau et compagnie. Grâce pour ton level up, XDV Game. Moi, je fais... Bon là je pense que ça va être une course, c'est un petit Goliath. Hein. Ah ouais? Ouais ouais, là, je sais plus laquelle elle va être très longue, je fais un peu au pif, ouais, dans le désordre, mais il y en a une ou deux, attention quoi. Hein? Mais c'est toi qui as salé poivré. Et sur légèrement poivré, j'ai l'impression. Oh, très bon. C'est délicieux. T'as un vrai cordon bleu. J'ai bien fait de t'épouser. Bois un coup. Quand c'est trop gros, ça fait tousser. Non, c'est un petit morceau. Allez, on est parti. Voilà, j'ai fini de dîner. Allez, maintenant concentration. Phoenix, je te déboîte. Oh. Ah, maintenant, tu commences premier, je commence dernier sur la grille. D'ailleurs, tu retiendras Phoenix qu'il a uniquement dit ton nom. Hein. Par contre, je t'ai pas vu dans le tableau là du début de la partie. Ah oui, t'es pas dans le tableau là. Oh, ouais. Au revoir. On quitte. Non, non, bah ouais, je sais pas, mais non, c'est bizarre parce que j'avais le chargement de l'épreuve, tu vois. Et d'un coup, ça m'a remis dans le jeu. T'es pas en net strict par hasard. Pour s'en terminer. Non. Ça peut arriver. Non mais je télécharge Titanfall 2, donc c'est possible que. Ah ouais, c'est possible que. Que ça ait mis trop de temps, tu vois, c'est pour bon, télécharger. C'est pas grave, nous allons recommencer. Regarde-moi cette beauté là. Attends. Salut Geek Gamer. Salut Kikounet. Kikounet, ça c'est mignon comme pseudo ça parce que Kikounet. C'est mignon tout plein. Ça sera jamais mieux que Princesse Croquette et Princesse Frite que j'ai eu sur le stream. Mais Princesse Croquette, c'est génial. La forme, ouais, ouais, la forme et toi, Geek.
bah tu vois. Bon alors commence, pourquoi Phoenix est premier, hein? Ah mais t'es arrivé dernier au deuxième. Parce qu'il a besoin d'aide, c'est tout. Oh. Ah, c'est encore une course qui va être très très courte. Je crois qu'il y en a juste deux ou trois comme ça après. Bon, de toute façon, c'est pas l'attaque qui compte. Mais qu'est-ce qu'ils font les bots, putain? Ah, le mec il fait du gauche-droite là. Ah ouais, ouais, non, mais putain, il est rentré dedans, mais comme un. Ah, mais je vais lui botter les fesses. Putain, mais. Ils jouent encore plus mal que les mecs sur en live. Ah, il va. Il va falloir que je double rapidement là, parce que là, ils vont m'énerver. Wow. J'entends rien là, mon cas. Il est décollé. J'entends juste. Blablabla. Allez, c'est bitume là. Ah, des huîtres panées, c'est encore pire que ce que je pensais. Mais qu'est-ce qu'une Ferrari F40 fait dans du cross-country? Oh là 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 là. Oh merci, Fini, ouf. Oh merci, ouf. Merci, ouf, parce que c'était compliqué. J'ai raté l'entrée, je crois. Ah, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait du doré. Mais putain, mais ils font quoi les bots? Ils se sont pris dans un derby, tu sais, genre tout le monde doit se rentrer dedans. Non, mais merde, c'est clair, on est dans Flat Out, Destruction Derby quoi. Mais qu'est-ce que fout une F40 sur du cross-country quoi? Bah, y'a. Le choix des épreuves n'est pas optimisé là, hein. Bon, moi je m'en sors très bien, hein. C'est vous qui faites de la. Ah, c'est normal, t'as pas les bottes qui t'emmerdent toi, vu que t'as un assisté. Ah, bah vous êtes. Ah non, mais par contre, les bottes ont vraiment fait n'importe quoi, hein. Oh, non, non, au départ c'était une catastrophe les bots, ils ont vraiment fait les mecs bizarre. Ils font des gauches droites, ils. C'est la fête. Oh, du bitume. Oh merde, ça a duré 2 secondes. Bon, ça va, on a des pires avant comme Damien pour faire les champions. Ouais, c'est clair. C'est toi qui me bouscule ouf? Pas du tout. Okay. Oh là, oh là. Ah si, c'est toi. Mais non. Ah voilà, c'est le karma ça. Mais non. Ah mais elle tient pas la roue sur de l'herbe, putain. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur là? Il va me faire rater un checkpoint. Non, ouais, en plus t'avais doublé proprement, hein, avec un bon petit drift et tout. Ouais. La voiture a dit non. La voiture m'a dit clairement non. Oula. Allez, du bitume, je veux du bitume. Ah, t'en auras pas. J'espère que lui, Phoenix, putain. De la piste de terre avec une F40, oui, c'est très conceptuel. Ouais. Mais les bots, c'est quand même des gros attardés. Hein. Ça, c'est, je suis choqué. Là. Bah, tu sais, ça veut dire que tu retiens le nom, ça veut dire que le joueur est un gros attardé à la base aussi. Non, mais comment t'as fait pour rattraper? Oh là là, t'as fait des cabrioles, tu fais des sauts de cabri. Oh putain, ah, asphalte, ouais, j'ai fait le petit kangourou là. Oh putain, tu m'as dépassé à la fin, j'ai les boules. Ouais. Ah, il y a 3 DNF quoi. Putain. Non mais les bots, ils faisaient des gauches droites, ils se rentrent dedans, comme tout à l'heure quand ils ont fait le bouchon là. Ouais. Ouais mais les bots en plus c'est aucun. Enfin les derrière-temps, c'est personne que je connais. Ah ouais, non mais aucun respect. Hein. Ah, tu pourras leur dire aucun qu'ils conduisent respect. Très très mal. Ah, pourquoi t'as pas mangé? Bah, et alors? Ça donne le goût? Ah, ça va, c'est 20600 pour passer au niveau suivant là pour l'instant, ça va encore. Quand t'es quel level toi? Ah, moi je suis à 40 000. Ouais, ah, ça bon. Va, c'est exponentiel alors. Vous êtes quel level? 370, 300. Je crois. Ah ouais? 301. Voilà, 301. Et au fait, je sais pas pourquoi, dans le club là, les trouées du slip, on est 107. Oh putain. Quoi, sur Farza? Oui, là, on est 107, il y a 107 membres là dans le club que j'ai créé. What? Mais tu vois, c'est un club porte ouverte quoi. Ah ouais, le club est porte ouverte, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir, mais... D'où ils viennent les gens? Pourquoi ils viennent les gens?
C'est qui le number one Psychose. C'est Psychose le number one, je sais pas qui c'est. Il était dur le démarrage là. Bon, c'est cool, hein, on est 105. 107, 107 membres. Dès que possible. Parce que tout à l'heure je me suis connecté, tu sais, j'avais pas lancé Forza depuis deux jours. Donc je me connecte, ouais. je vois dans les mails. Ah, rejoins le club, rejoins le club, rejoins le club, rejoins le club, rejoins le club. Je sais quoi ces conneries. Néo, 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 néo. Je crois que tu t'es pris un arbre. Oh, il y a ma mère qui me donne du chocolat. Ma femme me donne le dîner, ma mère me donne le dessert. C'est ça d'être un garçon serbe. C'est super bon, mon gars. Ça se fait plaisir. Goûte. C'est super bon. Parce que bizarre, tu es... après, toi, on était en tant que star player, mais t'es pas resté sur des stands, genre tu devais pas aller dans les stands, donc aussi, non. T'es juste baladé. Non. Hein, ouais, je me suis juste baladé, j'ai discuté avec les gens, de toute façon, ça m'intéressait pas de tester les jeux. Quoi, tu voulais pas jouer à Call of Duty Infinite Warfare? Non. Putain, merde. Incroyable. Merde, j'attendais le test, j'attendais le vlog, tu vois. Moi, c'est parce que t'es un vidéaste célèbre, alors ça attire du monde. Ouais, tu parles. Les vidéos de Forza font entre 20 et 50 vues. Ah bah c'est ouf, il fait pas une bonne communication, hein. Le message il a du mal à passer. Hein, pour les best-of ils font 150 vues, on est très loin de la célébrité. Hein. Elle a fait un peu de vues. Hein. Et moi je veux pas dire, mais ma vidéo de Mappy's Godzler, elle a plus de 15 000 vues hein, sur la chaîne Apex. Hein. Ah mais Godzler aussi, ah ouais, c'est Godzler. Ils ont bien aimé aussi ta vente marketing sur la manette Elite aussi. Ah, bah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh putain. Ah puis c'était vraiment l'inspiration du moment quoi. C'est clair. Je sais pas. Ah c'était naturel, tu voudrais le refaire pour faire pour exprès, ça marcherait pas. C'est... ouais c'est clair. Salut Thibaut. Attention, psyo, j'arrive. Ah non, 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 lâche mon cul tranquille. Je suis super mal. En plus, déjà, je me bataille à pas me faire envoyer dans le décor par les bots, là. Ah, bah moi, il y en a un qui vient de m'envoyer dans le décor, là. Ah, il est trop beau. Je crois pas que tu peux désactiver les collisions. Non, mais c'est bien avec les collisions. C'est bien avec les collisions, ça rajoute du peps. Ok, très bien. Putain, mais je les prends tellement mal les virages, c'est dingue comment. Ah oui, mais c'est ta F50 aussi, elle est top aussi. Oh, à l'accélération, elle est vraiment terrible. Elle est terrible tout court. Elle est parfaite. Elle est juste parfaite. Non, mais elle est vraiment agréable à conduire, ça c'est vrai. Franchement, elle accroche bien. J'ai pas testé la F40 encore, faut que je l'achète d'ailleurs, je l'ai pas acheté. Ah mais là avec la F50 de ouf derrière et moi la F40 on est presque sur Outrun hein. Ah bah ça. Ah mais comment il me déboîte l'ordinateur. Je suis en ligne droite à fond. Le mec est blaa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 a
les mecs devant arrêter de me balancer des poteaux électriques au milieu de la route, ça m'arrangerait aussi. Ah bah, hein. Eh oh, ça va. C'est pas des fautes banales non plus. Hein. Ah non, mais ça fait perdre de la vitesse. Aïe, aïe, aïe. Le 11-12 novembre, je vais à la partie PGR, c'est une petite une micro-convention de 30 personnes maxi. Et on va faire un tournoi Outrun, 8 Xbox première génération en LAN, avec 8 télé tournoi Outrun, ça va être terrible. Bien, ça. Ouais, ça va être terrible. Bon, ah, c'est bien ça, les deux setups. C'est clair. Ouais, la LAN a totalement disparu hein. Sur les nouvelles consoles, tu peux pas les mettre en LAN, c'est internet obligatoire. Ah ouais. Non,
Sur Gears, tu peux jouer en LAN. Ah ouais? Ouais, sur Gears, tu peux, ouais. Gears ouais, 4, il ouais, fait de la LAN? Ouais. Ah oui. Oh, bien. Ouais, il fait de la LAN. Bah, parce que les compètes se font en LAN, hein, de toute manière. Ah ouais. Mais ouais, t'as un ouais, truc parti en LAN, vraiment. D'accord. Pourquoi je suis marqué 3ème? Parce que t'es nul. Pas parce que t'es 3ème. Mais ça m'était que Psycho était devant moi. Pas devant moi. Bah oui, mais il y avait un ordi encore. Il y avait encore un ordi derrière moi. Bah oui, mais pourquoi lui il est marqué 2ème alors? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question parce que ouf, chez moi il était largement devant moi en fait. Et sur la grille je suis arrivé. Bah ouais. J'attends, j'avais au moins, je sais pas, 50 mètres d'avance, je pense. Moins une seconde ou une demi-seconde. À cause de ma connexion. C'est un fold 2 mon gars, c'est pas bon ça. Outrun 2006 cost to cost, c'était vraiment le summum. Oula. Alors c'est où la suite? Ah ouais, bien des fast sex, c'est bien. On va tuer, comme ça on a fait au plus. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, ce championnat-là, là, 261 km, j'avais fait avec l'Ariel Dobad. Ah oui. Mais boosté. Ouais. Hein. Tiens, ça me fait penser. Ouais, bah, tu... bien sûr. Après l'épreuve, tu fais une pause. Je vais aller l'acheter la F40. Tu sais, comme ça, je vais pouvoir la. Ouais. Comme ouais, ça, je vais l'avoir, quoi. Ouais, je vais me l'acheter aussi, je pense. Ouais, moi, je vais acheter la F50. Sur JV.com, voilà. Ils ont descendu le cost to cost, mais c'est JV.com. Bah, c'est JV.com. C'est ça. C'est bien résumé. JV.com a quand même mis 19 sur 20 à Forza Horizon 3, ça va. Ouais, t'imagines? Un testeur normal, il lui aurait mis 22 sur 20 au minimum. Non, mais ils sont pas du tout. Bah, disons que celui qui a testé Forza, il devait aimer le jeu de bagnole. Les autres, tu sens que. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, il a un planning. Voilà, tu dois tester ces jeux dans le mois si tu veux manger. Donc vas-y. Mais je déteste ce genre de jeu. Tu vas le tester quand même. Ok. Merde, attends. J'ai... Oh là, c'est quoi cette course encore? Oh putain. Voilà. Oh le meurtre. Oh merde. Dégagez, laissez-moi passer. Oh le checkpoint. Oh t'as failli rater le checkpoint. Non. Mais c'est qui le point? Putain. Wouhou. Ne pas se retourner. Ouais, elle est compliquée cette course là, putain. Je l'ai jamais faite. Oh là là, elle avance pas. Ouais. D'ailleurs, j'étais viré de ces forums parce que je postais des liens vers mes vidéos. Ah oui, mais ils détestent la pub. Par contre, si tu parles des gros, tu sais, genre Squeezie, joueur du grenier et tout, là, tu peux poster autant de vidéos que tu veux, c'est génial. Mais faut surtout pas faire de la pub aux petits. Il s'est fait virer des forums JVC parce qu'il mettait des liens vers des petits youtubeurs qui faisaient des vidéos sur Forza. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est de la pub est interdite, c'est, sauf si tu parles des gros, quoi. D'accord. Là, tu peux. Là. Oh ouf! Magnifique tapenade là! Wow. Mais qu'est-ce que tu fais? Il me fait peur! Je suis pas parti du bon côté! Oh. Putain, je me suis pris le recoin ici tout à l'heure là! Ouais, il est dangereux ce recoin le ici! Petit rebord! Voilà. Wouhou! Je suis un peu de travers! Oh là là! Ah, c'est bon! Par t'attaquer. Contre là dans le. Oh là oh, là! Oh, Phoenix, qui était ta cut! Pousse-toi, Phoenix! Moi, je vais direct sur la terre, hein. Ah, ça avance pas dans l'eau! Ah, c'est normal, ah ouais, on est à 2 cm du sol, quoi! Ah ouais! C'est bon, moi j'ai pris la terre un peu plus tôt là. De vitesse. Quelqu'un pour m'aider, j'ai un chargement qui s'arrête pas et donc j'ai pas de son ni d'image. Faut lui dire à Para qu'il passe en source, ça corrige le problème, normalement. Avec 4... heureusement que c'est pas cette course là que j'ai mis 22 points. Oui.
J'espère que c'en est une avec du béton. Hein. Nick, tu lui dis, normalement, s'il passe en qualité source, ça corrige le problème. Normalement. Bon, j'ai pris un checkpoint en marche arrière. Hein. Gros tag. On peut pas la gagner cette course. On peut pas la gagner. En tout cas, j'ai l'impression que je conduis mieux que vous. Je vous rattrape. C'est vraiment rare que j'ai une course où je vous rattrape. Oh là là. Tu m'as balancé en tête à queue, Phoenix, là, sur le saut. Il y a un bot qui m'a touché en plein vol et qui m'a fait sortir. Ah ouais, mais tu m'as touché pile au moment du jump, et du coup, pendant le jump, bah, je continue à pivoter, tu sais. Et du coup, à l'atterrissage, j'étais totalement abusé, travers. Hein. La flotte, c'est vraiment abusé comment on n'avance pas. Ah, c'est abusé. Hein. Ah, elle est pas du tout faite pour. Hein. T'es sur l'engrenage, Para. Oh, j'ai failli rater. Ouais, j'ai vu, tu t'es bouffé le mur. Oh, mais quel con. Ah, il est vraiment fun à prendre ce virage, par contre. Erreur. Oh, les reflets sont tellement magnifiques là dans l'eau avec les gouttelettes. Allez, avance. Putain, c'est tellement frustrant dans l'eau, t'avances à 50 km/h. Au pire qu'il essaye un autre navigateur. Ah, je suis premier, ouais. Premier ? Bien. T'as bien rattrapé. Ah, mais ouais. Non, mais je pensais que j'étais deuxième, tout, genre le mec était parti loin, mais moi je sais pas ce que j'ai. Alors attends, je vais aller acheter la F40 pour la suite. T'as un bot en plein vol qui m'a tapé dedans. C'est pas la meilleure course que j'ai faite. Hein. C'est un peu galère. Ça... On s'en est bien tiré. Avec l'Ariel Nomade, là ça aurait été bien. On s'en est bien tiré. T'as 302, 321, 371. Allez, on y va. Ouais, faut désactiver le HTML5 ou passer en HTML5 juste plus. Y'a quoi en dessert, mon cœur? Oh. Attends, prépare pas l'épreuve. Attends, je vais acheter ma bagnole vite fait. Ah oui, putain, oui, je vais acheter la F50 aussi. Comme ça, c'est fait. Je sais même pas combien de thunes j'ai, mais je crois que j'ai presque 8 millions, donc ça va. J'ai presque 10 millions. Ah, ouais, ça devrait aller. C'est trop bon. Tu devrais finir là, c'est...